Je dirais que ça, c'est le corps de l'avion, mais l'âme de l'avion, elle est encore au bureau d'études, dans les simulateurs. Et on attend que l'âme et le corps se réunissent pour voler ensemble. Quand j'étais lycéen, j'étais quand même assez intéressé par tout ce qui était mécanique en général, donc par les sports mécaniques, par la Formule 1, par l'aviation, par les essais d'avion. Donc quand la question s'est posée de quoi faire, j'ai cherché à faire quelque chose qui pouvait répondre à ce goût que j'ai depuis toujours. En mars 69, je me souviens très bien d'un dimanche après-midi où j'étais devant ma télévision à regarder le premier vol du Concorde. Évidemment, je me disais, ça, voilà quelque chose qui me plairait, voilà quelque chose que j'aimerais faire. Mon vélo est toujours là, ils me l'ont pas piqué, c'est bon. T'es venu en vélo? Non, je l'ai mis dans la bagnole. T'as mis dans la bagnole? Mais j'ai fait le tour de l'avion en vélo. Dans le sol? Oui. Vous pouvez vous débrancher, vous restez pas trop loin. Je me mets à droite. Pendant la course au décollage, si quelqu'un voit quelque chose qui lui plaît pas, il peut voler stop et j'obéirai. D'accord. C'est sûr que c'est un privilège d'être le pilote du premier vol de la 380, c'est évident. Ça me fait plaisir que mes petits-enfants un jour sachent ça, si un jour j'ai des petits-enfants.